après mon sixième roman et la sortie du septième. 2020, oui, je croyais qu'il n'y en aurait plus de romans. En 2016, j'ai publié un gros livre, vous allez le voir, qui reprenait donc les six premiers. Et le septième, août 2020, très différent des précédents. On peut parler de science-fiction, de romans d'anticipation. On se situe un millénaire après aujourd'hui, mais ça donne l'occasion aussi de regarder ce 20e siècle, considéré comme le plus merveilleux, le plus harmonieux, le plus culturel, car ces années 3000, le grand drame, c'est la disparition de l'électricité, une énergie anti-électrique. Mais est-ce simplement la manipulation d'un scientifique, certes, prix Nobel ou autre chose? Car depuis, il s'est passé pas mal de catastrophes, dont quatre explosions nucléaires, de centrales nucléaires, des attentats terroristes, un rideau anti-retour des âmes, oui, peut-être que ça a joué aussi dans cette énergie anti-électrique, que les âmes ne pouvaient plus revenir car ils étaient accusés de manipuler les humains. Qu'est-ce qui s'est encore passé depuis la disparition de Cahors? Oui, Cahors englouti, un attentat également avec la cathédrale Saint-Étienne, où à l'intérieur il y avait le président, car il y a eu deux ministres, pour l'enterrement du maire de Cahors qui était président du Sénat. Le Sénat existait encore après. Il a disparu quand on a refondé la République, car la République, à un moment, s'est effondrée, oui, après l'explosion des centrales nucléaires. Tout ce qui s'est passé, et cette petite étincelle supplémentaire de disparition d'électricité dans un monde 100% numérique, on sait quoi après. Parce qu'il y a eu aussi l'attaque des termites, et les termites qui ont détruit des milliards de bouquins, mais aussi des habitations qui se sont effondrées. Il y a eu les confinements, dont le 7e, organisé par le Club des Maîtres du Monde, le CMM, car depuis, les robots dévoués qui effectuaient toutes les tâches manuelles, les pauvres, n'étaient plus utiles à rien, donc il a bien fallu essayer de les faire disparaître. Voilà, et bien d'autres choses. C'est un roman donc d'anticipation, disons, de science-fiction. Ternoise numéro 7, 2020.